someone who's free as me. I see lights so bright, no one can see. We see the time is running out, so we gotta rest and breathe. La mort, ça tombe dans la vie comme une pierre dans un lac. D'abord, ça fait un bruit sec, assourdissant, qui fait fuir les poissons sous l'eau et les oiseaux du rivage. On a peur. Et puis après, il y a des grands cercles sur l'eau qui se forment, de plus en plus larges, de plus en plus calmes. Et finalement, plus rien. L'eau ne bouge plus. Comme s'il ne s'était jamais rien passé. Rouge comme le feu, comme la couleur de nos bracelets. Rouge comme le feu ou comme la couleur de nos bracelets. Rouge comme le feu ou comme la couleur de nos bracelets. On avance, les coups durs on les évince. Nos destins s'alignent pour que l'avenir s'illumine. On a la rage dans le ventre, on n'est pas pessimiste. On saigne sous nos parasols, on s'épaule jamais paresseux. La vie est belle, pas parfaite, on persiste comme personne. On se parfume de l'air du temps, on performe, c'est déroutant. Passer, 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 rouge, passer. On veut planer, planer sur des planètes pas nettes. Survoler la vallée, avaler la voie lactée. Pareil qu'on peut pas le faire, on vous prouvera le contraire. Sauter hyper haut, en pleine forme, comme un perchiste hyper fort. On veut s'émerveiller, se comprendre et s'écouter. Du soleil dans nos pupilles, respirer l'éternité. Rouge comme le feu ou comme la couleur de nos bracelets. Rouge comme le feu ou comme la couleur de nos bracelets. Vous êtes sûr? Non, parce que la dernière fois... La dernière fois, on n'avait pas suivi le même traitement post-opératoire. C'était un cas de figure bien différent, crois-moi. Et vous voulez pas faire des examens complémentaires? Parce que ce matin, j'avais mal au bras et dans ma jambe. Des signes de neuropathie périphérique. Ça fait partie des effets indésirables. Mais tu connais ça par cœur, non? Mais mon chéri, puisqu'on te dit que c'est bon... Je sais que tu as attendu trop longtemps ce moment pour y croire. Mais il n'est plus nécessaire de rester hospitalisé. Les bilans des dernières semaines convergent tous vers les mêmes conclusions. Il n'y a plus de traces de cellules cancéreuses. Ce n'est donc plus la peine de continuer le traitement. Clément, tu es en rémission. Tu comprends ? Je peux voir mon bilan. Ça te parle? Non, je comprends pas tout. Tu vas pouvoir sortir très bientôt. T'en sens ça, mon chéri, t'en sens ça? C'est bon, mon chéri.
parle plus de moi. Oui, bien sûr. Ah bah, bonne nouvelle. Et mon papy, alors? Non, hein. Vous savez, celui que vous avez laissé mourir, là. Je partage votre douleur. Vous partagez rien du tout, vous êtes une menteuse. Pourquoi vous m'avez dit qu'il allait bien? Parce que c'était le cas au moment où je vous l'ai dit. Ah bah ouais? Et pourquoi il est mort, alors? Votre grand-père a subi un double pontage coronarien, son cœur était fragile, et il y a des choses malheureusement qu'on ne maîtrise pas. Mais vous êtes médecin ou pas médecin? C'est pas votre job de maîtriser ce genre de truc? Non? Je vous parle! Calmez-vous, écoutez. Calmez-vous, pourquoi? Quoi? Hein? Vous pouvez le ressusciter, c'est ça? Votre hôpital de merde, là! Putain d'hôpital de merde, va! Vos chaises de merde aussi, là! Mehdi! Viens avec moi, on va se parler dans mon bureau au calme. Mehdi, Mehdi! Écoute, nous, tout ce qu'on veut, c'est t'aider, hein. Mehdi, pourquoi? On va trouver des solutions. Solutions à quoi? Je suis tout seul, moi! J'ai besoin de personne, ici! C'est fini, ici! J'ai pas besoin de vous! Mehdi! Lâche-moi, toi! Vas-y, lâche-moi! Tes gros yeux bleus, là! Je viens poser la greffe. Tu vas bien aujourd'hui? T'es pas trop stressé? Non. Je vais te poser un chant. Oui. Lève la tête. Voilà. Ça y est, la greffe est posée. Ça va bien? Oui. Si tu as un problème, tu nous appelles et je reviens dans 20 minutes. À tout à l'heure. Chérie, ça va? Oui. Tu fais quoi? Je prends ma douche. Ok. Bon, bah, j'y vais. Je bosse pas aujourd'hui, je vais faire des courses. À ce soir. T'oublieras pas d'aller plus tôt au resto pour faire la mise en place? Oui, oui, à toutes. Bisous. Bisous. Ouais, Clément? Ok, j'arrive. Bonjour. La fille qui était dans cette chambre là, dans le coma, elle est où? Elle vient d'être transférée dans un autre CHU. Quoi? Mais pourquoi? Elle est dans un centre plus spécialisé. Il est obligé d'aller dans un foyer, vous pensez? Attends, c'est pas Guantanamo le foyer non plus. Hein. Salut. Ça va? Salut. En même temps, c'est pas ouf. Ouais, c'est chaud. On pourrait le planquer. On le cache à l'hôpital le temps qu'il ait 18 ans. C'est bien, ça? En 4 mois? Ouais, c'est con. Qu'est-ce qui se passe? C'est Mehdi, il va pas bien. Et Louise, tu l'as eu, t'as des nouvelles? Tu sais ce qu'elle en pense? Non, elle répond pas. Elle fait chier, elle aussi. Après, là où elle est, il fait sûrement nuit. Puis surtout, si elle répond, on sait ce qu'elle va dire. Bougez-vous le cul. C'est clair. Bon, on fait quoi, alors? On va lui parler. On prend ta bagnole et on y va. Ouais. Vous me tenez au courant? Ouais. Ouais. À toutes. Ça va, Com? Mais tu vas où, là? Je vais voir Amour. Bah, on se voit plus tard. À plus. À plus. C'est fou. Ah ouais. Mmh.
Salut. Il fait vachement de plastique. Ça va, Jess? C'est bon, c'est fini la greffe. Incroyable. Ce qu'on arrive à faire, quoi. Tu te rends compte de ce qui se passe dans ton corps, là? C'est chelou. Ouais. Et donc, tu pourras sortir quand ton taux de globule, il va dépasser 1500 par millimètre cube, c'est ça? C'est ça. T'as bossé, toi. T'as vu? Non, mais en vrai... Je sais pas, je risque pas de sortir. Mais si. Bon, je te laisse te reposer. J'y vais. Je peux pas t'embrasser, en fait. Non, faut pas que tu me touches. Bon, allez, j'y vais. Très bien. Ouais. Merci pour la moelle. Ouais. C'est la bonne. Ouais, je sais, tout le monde me dit ça. Tu vas revenir ou pas? Non, mais je bouge pas là, je vais juste voir ton médecin. Après, je repasse. Ok. Pardon, désolé, c'était ouvert, je suis rentré. C'est pas grave, t'inquiète. Ça va, toi? Non, pas trop. J'ai mon pote Mehdi qui part en couille, là, c'est compliqué. Ah, merde. Et toi? Je dois aller voir Jessica. Ah, ok. Bah, je vais te laisser y aller. Mmh. Excuse-moi, il faut vraiment que j'y aille. Tu sais, avec les protocoles, les horaires. Ok. À tout à l'heure. Mehdi? Hé, hey, ça va? Vous foutez quoi ici, là? Alors, on fait que t'appeler et tu réponds pas. Je veux pas de votre pitié. Ouais, mais nous, on veut te voir, non? Eh ben moi, je peux pas, sinon le garage, il va fermer, là. Et les clients, là, ils m'attendent. Mais tu peux pas rester ici. Je peux pas t'occuper du garage tout seul. Et pourquoi pas? C'est mon garage ici, c'est le garage à mon papy aussi. Ouais, mais ton stage à l'hôpital, je sais pas, ton école de kiné, tout ça. Putain, mais de quoi tu parles, là? Quel stage, quelle école de kiné? Hein? T'es un gosse de riche, toi! T'as pas besoin de penser à tout ça! Moi, faut que je trim! Attends, peut-être qu'on peut aller voir un juge, lui parler. Tu vis dans quel monde? Ils veulent que m'envoyer en foyer! Mais justement, on est là pour toi, mec. Mais quoi? Vas-y, lâche-moi, là! C'est la vraie vie, ici, là! Vous parlez de quoi depuis tout à l'heure? Vas-y, laissez-moi tranquille, maintenant, là! C'est la vraie vie!
Pensez que à votre trip, vous. Tenez, là. Tiens, 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 ton bracelet de merde, là. Et cassez-vous. Cassez-vous, laissez-moi, cassez-vous. Putain. Mehdi, le prends pas comme ça, là. Vas-y, on parle un peu, quand même. Oh. Oh, Mehdi, arrête. Putain, mais vas-y, cassez-vous, là. Quoi maintenant? Je sais pas. Tiens, tu peux répondre s'il te plaît, ça doit être Clément. Non, c'est Laura. Je fais quoi? J'y réponds? Non, non, c'est bon, je répondrai plus tard. Merci. Ah, Laura encore. C'est ta meuf? C'est une fille du lycée, ouais. Mais tu sors avec elle? Ouais. Et ça se passe bien? Plutôt, ouais. Ok. C'est cool. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais faire le service de midi. Il est quelle heure, là? Mais il est midi 15, putain, mais je suis complètement zappé. C'est pas grave, je te dépose, t'inquiète. Quelle conne, bon. Quelle conne. Putain. Je sais que tu as attendu trop longtemps ce moment pour y croire. Mais il n'est plus nécessaire de rester hospitalisé. Clément, tu es en rémission. Comment tu te sens ? Déconne ou quoi? Je suis crevée, j'ai mal. Je suis bloquée ici pendant un mois, bien sûr que ça va pas. Excuse-moi. Je suis désolée, mais il y a mon frère qui doit revenir et j'ai droit qu'à deux visites. Du coup. Ok. Bah. Je pensais que tu voulais voir du monde. Non, mais vas-y, reste, reste. Reste, je suis désolée. Je sais pas ce que je dis, je suis fatiguée. Je suis chaud ici. Tu peux enlever ton masque, juste. Ça va pas te poser de problème? Non, non, on s'en fout, vraiment. S'il te plaît, je veux voir ta tête. Non, je t'ai dit, je suis désolée, pourquoi tu fais cette tête? Mais non, c'est pas toi. Je vais pas te faire chier avec mes histoires de merde. Non, je m'en fous, raconte. Ça va me changer les idées, en plus. Bah, j'étais en train de penser à un truc tout à l'heure. Comment tu fais avec les mecs, toi? Pour faire comme si de rien n'était, comme si tout ça, ça existait pas. J'ai pas tant d'histoires que ça. Bah si, quand même, plus que moi. Bah, pour te déshabiller, tu fais comment? Tu t'enlèves ton foulard? J'ai jamais fait l'amour, non. Ouais, j'ai jamais couché. Sérieux? Ouais.
toute façon, toi, t'as tout ton temps. Et tu vas t'en sortir. Ça va aller. Peut-être. Mais non, non, non. Pas peut-être, c'est sûr. Toi et moi, on est des guerrières. C'est toi qui me l'as dit. Mais non, on n'est pas des guerrières. Mais on est quoi, alors? On est des Amazones. Si tu veux, on est des Amazones, alors. Des Amazones. On va tout défoncer. Ok? J'ai fait au mieux, moi je suis désolée. Désolée, c'est un peu court, tu crois pas? J'étais pas censée être là, moi. Oui, bon bah ça va, je suis là maintenant. Mais tu te fous de moi? Marco m'a appelé, il y avait personne en salle. J'avais pas le choix, putain, j'ai un pote qui va mal. Et alors? Non mais tu t'imagines si on s'arrêtait tous de bosser à cause de nos problèmes personnels? Tu crois que je suis pas venue bosser, moi, ici, pendant que t'étais à l'hôpital? Je me suis portée garante pour toi. Alors, j'ai compris, hein, c'est pas le boulot de tes rêves, mais t'as pris un engagement. Alors comporte-toi en adulte, s'il te plaît. J'ai peut-être fait plein de conneries, mais je vous ai élevé comme ça. Que vous respectiez votre parole. Bah t'as tout raté alors, parce que je fais rien de bien. Tu fais quoi là? Roxane, qu'est-ce que... Rox... T'en veux? Non, ça va, merci. T'as pas oublié que t'avais le kiné à 15h? Non. Quoi? Tu vas voir. C'est un téléphone? Ouais. Merci. Ça te plaît? Bah, tu sais que ça va être quasiment impossible de m'en servir. Bah si, tu sais pourquoi? J'ai enregistré tous les numéros et j'ai mis des petits émoticônes à côté. Tu vois, ça va être super simple. Comme ça, tu pourras appeler tous tes copains tout seul. Tu veux que j'appelle qui? J'ai pas de copains. Ouais, Mehdi, Clément... Mais ils s'en foutent de moi, ils sont beaucoup plus vieux, ils ont d'autres choses à faire. Et même Iris, elle est plus là. Ils l'ont transférée. Ah, je savais pas, chérie. En fait, j'ai jamais eu d'amis, c'est ça? Mais si, bien sûr que si, t'as eu des amis. T'as pas eu beaucoup d'amis, mais t'en as eu des amis quand t'étais petit. Ouais, génial. En fait, c'est peut-être pour ça que je veux pas me rappeler de ma vie d'avant. Parce qu'il était à chier. Non, et tu parles pas comme ça. C'est pas vrai, elle était pas nulle ta vie. C'est juste que là, tu changes, tu grandis, t'évolues, t'as envie d'autre chose et c'est normal. Mais y a rien qui t'empêche de t'en faire des amis. Puis y a rien qui t'empêche d'ailleurs de faire ce que tu veux, chérie. Après tout ce que t'as traversé, faut que tu profites. Tu mérites. Je vais t'expliquer, c'est super simple. Il est beau. Alors regarde, va dans répertoire, au milieu, en bas. Comment on fait? Bah là, juste, voilà. Fais défiler et tu vas voir mon émoticône. Ah. Tu m'en connais? Thank you.
chérie, c'est moi. Je pars de l'hôpital. Tout à l'heure. Papi? Pars, s'il te plaît. S'il te plaît. Excusez-moi, vous allez près du centre-ville ? Oui, tu veux aller où ? Au boulevard de la Côte d'Argent. Faut que tu descends dans l'arrêt Abati. Ça vous dérangerait pas de me dire quand on est à l'arrêt ? Non, je te le dirai. Merci. Comment tu te sens ? C'est la grève qui marche pas, c'est ça ? Non. Si ça avait été un rejet, ça aurait été complètement différent. Heureusement, on en est très loin. C'est quoi, là ? Ton nombre de plaquettes est très bas. Ton sang coagule mal. T'as fait une anémie. On va continuer de te transfuser jusqu'à ce que les cellules souches greffées commencent à agir. Hein ? C'est relativement normal, en particulier au cours des heures qui suivent la greffe. T'en fais pas. Vous avez vu mon frère ? Non, je l'ai pas vu. Il est parti. Est-ce que tu veux qu'on l'appelle ? Non, c'est... Alors... Je repasse toi, d'accord ? Ok. Salut. Franchement, tu crois pas que t'as déconné avec maman ? Tu vas pas t'y mettre, toi aussi.
Bah, tu t'attendais à quoi? Est-ce que je te dise bravo? J'ai démissionné, ça, c'est moi que ça regarde, non? Bah non. Non, maman, à cause de toi, elle pourrait avoir des problèmes avec Marco. Mais ça va, il va rien se passer, hein, il va pas la virer. Mais qu'est-ce que t'en sais? Maman, elle bosse dur et elle se coupe en quatre pour nous. On n'est plus des gamines. Oui, je sais. Non, tu sais pas! T'étais pas là quand elle fondait en larmes en rentrant de l'hôpital après t'avoir vu. T'étais pas là quand elle avait pas encore le job au bar et qu'elle galérait. Moi, j'ai passé presque un an toute seule avec elle. Alors ouais, moi, je sais. Faut toujours que tu sois le centre du monde. Faut qu'on t'applaudisse dès que tu prends 3 grammes et que tu manges un bout de pain. Non, mais franchement, tu veux que je te dise? On était mieux sans toi à la maison. Je suis désolée, mais je le pense. Mehdi ? Mehdi ? Oh, Mehdi. Passe à bouteille. Qu'est-ce qui se passe? Ça va mieux avec ton pote? Bof. Et Jessica, ça va? Bof. Qu'est-ce que t'écoutes? And hold.
Hey. Quoi? Non mais t'as pas besoin de te cacher, tu sais. T'es belle. Bah non, je sais pas justement. Pourquoi tu dis ça? À ton avis. Mais tu m'as vu moi, je suis recousu de partout. Tu veux voir ma dernière cicatrice? Et tu me montres la tienne aussi alors. T'es fou toi. Bah tu m'as déjà montré pas mal de choses. Hein. Ouais, ça c'était avant. Bah montre-moi maintenant. T'avais pas dit tout en premier? Si. C'est vrai. Mmh. T'as raison. Ça va mieux? Faut que je me pose un peu. Attends. J'ai super mal au crâne. Il faut pas boire. Faudrait peut-être mettre un pansement à ta main là, non? S'il te plaît, tu peux aller au bureau. Tu prends la trousse à la pharmacie, s'il te plaît, et des cachets pour le crâne. J'ai super mal. Prends tout, s'il te plaît. La coupe. Merci mon gars, t'es un frère. T'as trouvé les médocs? Ouais, ils sont là. J'en peux plus là. J'ai trop mal. C'est quoi? Ton grand-père, il t'a inscrit à une école de kiné. Quoi? Comment ça? En gros, il t'a payé une école de kiné pour après le bac. Une prépa? Ouais, c'est ça, une prépa. Mais non, papy, t'as pas fait ça. 4000 euros? Mais il s'est sorti tous les 4000 euros? C'est peut-être pour ça qu'il travaillait beaucoup. Et il en est mort maintenant. Ouais, mais il a fait ça pour toi. Je suis à l'école de kiné. Mais comment t'as fait pour lire ce qu'il y avait écrit dessus là? Bah j'ai lu. T'as tout lu? Bah ouais, je crois. Sérieux? Truc de ouf, wesh. T'attends quelqu'un? Non. Monsieur Camille Soko, vous êtes là? Monsieur Camille Soko? Bonjour. Je suis Madame Lestrade, je suis assistante sociale. Je travaille à l'hôpital. Je peux vous parler? Ouais. Rentrez. C'est là. Je t'attends là.
Merci, à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Roxane, on avait rendez-vous? Non. Je peux vous voir? Oui, entre. Qu'est-ce qui t'amène? Je veux revenir ici, j'y arrive pas, c'est trop dur. Ma famille, ce boulot de merde, c'était une erreur de me faire sortir. Tu manges en ce moment? Oui. Tu te sens fatiguée? Non, mais c'est pas ça. Je suis nulle. Complètement immature. Thomas, il est revenu au lycée, il a une meuf. Moi, je suis seule. Même un boulot, j'arrive pas à le garder. Écoute, Roxane, je dédramatise pas ce que tu vis dehors. Je sais que c'est difficile, vraiment. Mais tu dois apprendre à gérer ces difficultés. Les frustrations, les déceptions, ça fait partie de la vie. C'est ça ou c'est grandir? Vous voulez vraiment pas me garder, alors? Parce que je mange pas beaucoup, hein, et... T'as placé vraiment plus à l'hôpital, fais-moi confiance. Je leur cache la vie. À qui? À ta mère et ta sœur? Tu sais, une relation, ça se vit à deux. Là, c'est de ma faute. C'est moi le problème. Tu crois pas que vous devriez vous parler? La parole, c'est très utile. C'est ce qu'on a fait ici et ça t'a permis d'aller mieux. Non, je peux pas. Je peux pas. Se tutoyer, si ça te va? Ouais. Ouais. Tu vis à côté, c'est ça? Avec mon grand-père. Tu as des proches, des oncles, des tantes? J'ai plus personne. Et je suis bien ici tout seul. J'ai essayé de te contacter plusieurs fois. Le juge aussi. Tu n'as pas reçu de convocation? Non. Alors, j'ai parlé de toi tout à l'heure, avec ton responsable de stage, le docteur Catalan. Ah bon? Pourquoi? Mehdi, tu peux pas rester ici, comme ça, tout seul. Tu comprends? Excusez-moi, ça vous dérange pas que j'aille le voir? Parce que sa maman va s'inquiéter. Oui, oui, bah, bien sûr, vas-y. Merci. Je t'attends. Alors? C'est sérieux, quoi, t'étais au courant? De quoi? Bah pour elle, là, vous êtes tous des mèches avec Catalan, quoi. T'es venu ici me retirer le temps qu'elle arrive, c'est ça? Quoi, mais n'importe quoi! Attends, mais je vais aller en foyer, là! C'est trop la dèche, là-bas! J'ai entendu trop de trucs en plus! Attends, mais tu vas où là? Je me casse, frère! Mais dis, qu'est-ce que tu fais? L'eau du lac a beau être redevenue calme, on n'est jamais à l'abri d'un nouvel orage. C'est calme ce soir? Ouais. On va être tranquille. Putain.
Et contrairement à une pierre, une pluie d'orage, ce sont des milliers de gouttes qui viennent faire des ronds dans l'eau, dans un vacarme encore plus assourdissant. En fait, je suis guéri. Je vais sortir de l'hôpital. Quoi ? C'est génial, pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt ? Je sais pas. Peut-être parce que j'y crois pas moi-même. Heureusement, la pluie s'arrête toujours au bout d'un moment. Et le silence revient. Mais la surface de l'eau n'est plus tout à fait pareille. On peut toujours y voir des ronds qui la troublent. Car toute blessure, même guérie, laisse une cicatrice.